Ici Rocken et bienvenue pour l'épisode 6 de Arcotopia. Et n'hésitez pas à commenter si quelque chose vous intéresse dans cette série. De liker et de vous abonner parce que je sais que j'ai eu quelques abonnés en ce moment, c'est trop cool. Et j'ai des vues sur la série. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bref, j'ai construit le piège en off. Alors le piège, il va être simple. J'ai vu un piège comme ça. Genre, il va arriver là, comme ça, dedans. Il sera bloqué. Et après, j'aurai juste qu'à ouvrir la porte. Et du coup, il sera bloqué. Donc maintenant, il faut trouver un argentavis. Et j'en ai vu un pas loin. J'en ai vu un pas loin. On va pas aller trop trop loin non plus. Dans la forêt, on a peut-être là. En plus, j'ai pas de j'ai des bolasses. Si j'ai des bolasses, mais. C'est pas ça qui me fait peur. C'est un trahi. Un tricé. Les hautes herbes, elles sont chiantes, hein. C'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est haut? Comparé à. À Ark. Survival Evolved, il y a beaucoup plus de nature, genre. Je sais que s'il y a des paramètres où je peux l'enlever, tu vois, genre je tape les commandes et tu les enlèves, tu vois, ça fait plus d'SPF, plus d'FPS, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. Parce que je trouve le jeu magnifique, donc pourquoi je me priverais de jouer au jeu en 2K? Déjà, c'est en 2K, donc c'est moins de performance, moins, c'est plus de performance que jouer en 4K, tu vois. Bon, il faut que je trouve un argentavis, que je l'attire. On est arrivé quelque part, je sais pas où. C'est beau ici, hein. Mais il faut faire attention. Tout ce qui est beau n'est pas gentil. C'est pas. Alors moi j'ai une explication pourquoi j'ai eu des vues. Parce que c'est. Oh. Oh l'argentavis. Viens là toi. Ouais, c'est un niveau 1, wesh. Ils ont aucun respect pour moi, wesh. Ils ont aucun respect pour moi. Vous êtes sérieux, niveau 1? C'est une insulte. Je vais essayer de s'affamer. Niveau 1 quoi les gars, vous êtes sérieux? Eh, j'ai bossé comme un malade pour créer ça. Et je me tape un niveau 1. Ah. J'ai vu une vidéo de Yonix. Je vous le mettrai en descriptif. Si je la retrouve. Je sais plus c'était quelle vidéo. Mais il parlait du mode indispensable. Et il y a un mode qui change le. Qui change le niveau des dinos. Pour les mettre plus haut. Je sais pas si je vais l'utiliser parce que ça me dégoûte un peu. Genre j'ai des dinos de basse qualité, frère. Genre là, il sera. Oh! Magnifique ton bébé.
Par contre, là, il y a un truc, j'ai augmenté. Ah, ben voilà, ça c'est bien. J'avais augmenté le poids. En fait, il fallait que j'augmente le poids des dinosaures sauvages aussi. Et en gros, ça pouvait les. Ça augmentera aussi le poids des dinosaures normaux. Alors que j'avais augmenté à fond les stats, les paramètres des dinos tamés. J'ai beaucoup trop de choses à faire sur Ark, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Je vais voir où ils en sont sur la guerre là-bas. Oh, il y a un Rex! Il y a des Sabertooth. Des scorpions. C'est vraiment une zone hostile ici, hein. Ah, mais c'est un Rex Alpha, je crois. On s'approche pas, ok? On s'approche pas. j'ai pas envie de perdre mon dino. Non! Reviens là! Reviens là! Donc on va essayer de se reposer. Ça doit pas être compliqué. On tourne. Voilà, t'es sur la plateforme là. Venez pas m'énerver là. Je suis en plein timing d'un. Déjà toi tu vas aller là-dedans. Hop là. Et à partir du moment où j'ai un Argentavis, pourquoi j'ai augmenté la question. Pourquoi j'ai augmenté les stats des dinos? Déjà pour pas perdre mes dinos. D'une, pour pas perdre mes dinos. De deux, pour que l'aventure se fasse beaucoup plus simple, simplement. Et de 3 parce que les gars, Vie Island c'est une map de merde, voilà, faut le dire, je déteste Vie Island. Bah ouais, sur Svalterfheim là, la map des nains là, ouais, je sais plus quoi là. Là bah, c'est juste que j'ai pas envie de télécharger des mods, c'est tout. J'ai envie de jouer en vanilla, moi. Je veux faire l'ascension. Et encore, je suis sûr, j'utilise les commandes admin, je peux faire l'ascension tout seul, frère. Je peux faire l'ascension sans faire l'ascension en vrai. Donc, déjà, mais ça sert à quoi? Bah, ça sert à juste passer le temps. Arrête de te marrer, toi. Il se marre, l'enculé, là, parce que. Non, je sais, il se marre pas, mais voilà, vous avez compris quoi. Comment il est allongé, frère? Par contre, niveau 1, c'est dégueulasse. Ah non, franchement, je m'attendais à un niveau 10 au moins, niveau 5, niveau 6. Non, niveau 1. Merci, bravo. Faut que j'aille affronter des monstres là-bas, là. Des putains de monstres. Juste pour avoir des bons dinos, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes fou! Vous êtes fou! Déjà, il faut que je me crée une scène. Ah, il faut que je débloque la scène. Sinon, je m'étais inscrit à la bêta fermée de Skull and Bones. Franchement, j'ai pas regardé beaucoup de gameplay.
Parce que d'une part, j'ai pas envie de me spoiler. Et de deux. Et de deux. Le jeu, je l'achèterai quand il sera patché. Ouais, parce que on sait jamais, tu vois. Ils peuvent te dire que c'est un bon jeu, alors qu'en fait, c'est un jeu de merde, tu vois. Alors, je préfère attendre. Et on verra bien. C'est 20 points d'équipement. Crafting équipement. Celle d'Argentavis. J'avais de la kératine, frère. Arrête de me faire genre j'avais pas de kératine. J'avais masse kératine ici, frère. Ah, voilà. C'est pas assez, je vais t'en donner, moi. Je vais t'en donner. Qu'est-ce qu'il faut? De la kératine, il en faut 150. Vous êtes sérieux, les gars? Mais c'est des bâtards, frère. Comment je fais? Bon, lui, il va être tamé, ça, c'est clair. Allez. Mon bateau, il est trop loin. Viens, on va s'amuser à tuer un peu des dinos. Déjà, le Rex Alpha, là, je crois que je vais le tuer. Wow, comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai pris? De la prime. J'ai pris de la prime, que de la prime, frère. What the fuck? Mais ça me sert à rien. Il a pas laissé un sac par terre? La prime, elle va me servir à rien, frère. Elle va pourrir. Il n'y a pas un sac par terre. Oh, un chien. Ils sont en train de dépouiller, je sais pas quoi. Faut pas que j'aille trop vite. J'ai pas de tenue de froid, ça va poser un problème. Ah, des allosaures. Un dodicurus. Oh! Oh! L'allosaure, il va tuer tout le monde, fais chier. Bon, c'est pas grave. L'Argentavis, c'est tamé, je crois. Argent, voilà, argent, il est tamé. Désolé, désolé. Déjà, il prend plus de level. Mon Terra ne prend plus de level. C'est énervant. C'est énervant. Parce que il a aucune énergie en fait. C'est vraiment vraiment abusé. Montez stats. Alors déjà, une stat là-dedans. Ça c'est bon. Voilà. Tiens, de la nourriture. J'ai pas de sel encore pour toi, ça m'énerve. Ça m'énerve, il faut que je tue un trike. Quoi, j'ai pas mangé? Oh, je suis en train de courir. On a un bel argent à vis.
Franchement, il est magnifique quand même, hein. Pas mal, pas mal. Pas mal. Moi, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien refait. Le design, il est trop stylé. Vous allez voir quand je vais faire une photo avec lui. Ça va être magnifique. Ce sera la photo de présentation. Enfin, la miniature. La miniature avec l'Argentavis. Je suis en train de regarder les zones là pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des trucs là-bas. Il y a des trucs là-bas. Je vais prendre ça. Au pire, je me ferai tuer. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Déjà, il faut que j'attende que mon argent Tavis ait repris toute sa vie. Eh ben, t'as vu, il a déjà repris toute sa vie. Bon. Je vais rapprocher le radeau. Je vais rapprocher le radeau. Et nous, on va un peu avancer. Il a pas pris de poids? Ah si, mais il y a quand même une limite de poids, c'est ça qui est con. Vous pouvez mettre autant de poids que vous voulez, tu vois. Tu peux avoir 10 000 de poids ou truc du genre. Eh ben, ils vont quand même t'enculer parce qu'il y a une limite. Il y a une limite et en gros, il pourra plus rien ramasser. C'est quoi cette buée là? On est dans la jungle là, de la jungle. Les dodos, c'est pas des dodos que je veux moi. Je veux qu'il y ait un putain de raptor qui débarque là, que je balance une bolasse dans la gueule et que je le tame. J'ai un Argentavis, il me faut beaucoup plus d'Argentavis. Donc on va faire la même méthode. On va s'amuser à... Bah voilà, c'est ce cri qui fait éloigner les dinos. Tu vas me dire, mais Nico, t'es en train de parcourir. Enfin, Rocken. Rocken, Nico, appelez-moi comme vous voulez, Nico, Rocken. Je préfère Rocken, tu vois, c'est mon pseudo, j'y tiens beaucoup. Oh! Des Sabertooth! Des Sabertooth, on les tame ou on les tame pas, les Sabertooth? Genre ça a tué. Il est où le deuxième? Les deux ils dorment. Oh. C'est dangereux ici. Oh, j'ai failli le tuer, frère. Tiens, prends ça. Ils étaient faibles, hein. Ils étaient faibles, franchement. Attends, ils sont niveau combien? Oh! Non, ça tue! Smilodon ta mère, va! J'y crois pas, vous m'avez... Attends, je vais écarter mon... Putain! M'avait fait perdre un dino là!
C'est-à-dire, j'aurais rien à craindre en vrai d'une attaque d'un dino. Je n'aurais rien à craindre. C'est juste que j'ai des vêtements et j'ai pas envie de les perdre, tu vois. Oh. Je vais reprendre ma viande. On va attendre. Sagement. Combien j'ai de... Je peux pas faire la selle là. Chitine. Et en plus il fait froid. On est dans une zone où il fait froid. Un peu de Monster les gars. C'est pas conseillé mais faut boire un peu. Je reviendrai avec le Sabertooth, enfin le Smilodon. Là, je peux rien faire avec ce monstre-là. Il faut qu'il me suive avec un dino et que je le mette dans une cage. Je sais pas comment je vais faire. Honnêtement, je sais vraiment pas comment je vais faire. Bon, t'es presque KO, toi? On n'a rien à craindre là ici. De toute façon, si le Smilodon meurt, voilà quoi, je vais pas. Moi, je voulais avoir les deux, moi, pas que on fasse un guet-apens en mode ouais, vas-y. Je vais m'amuser. Y a encore des Argentavis qui traînent. S'il y a un argent. Oh, il y a un Argentavis! On va le tamer, les gars! On va le tamer! Eh oh! Argentavis! Ah, mais je l'ai pas enlevé de la cage! Je l'ai pas enlevé de la cage! Faut que j'enlève de la cage parce que sinon. Viens là. Voilà. C'est bien ma bête. Pose-toi maintenant. Pose-toi maintenant, c'est pas ouf. Hey, tu vas atterrir? C'est bien, mon petit chou. Mon petit chou à la crème. Bon. J'ai trouvé un autre. Un autre. Il doit être par là, il doit être par là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Vous l'avez vu avec moi? Attends, je regarde le temps. Bon, les gars, on va récupérer le Smilodon.
Et après, ce sera déjà fini. Voilà. Oui, je sais, épisode court. Oh, non, non, non. Mais on a bien discuté, on a bien discuté, franchement. Skull and Bones, le piège Argentavis, franchement. Magnifique. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez aussi dans la description. On sait jamais, ça peut intéresser. Et oui, je mettrai la description de Yonix aussi. Si je retrouve la vidéo, je le ferai de toute façon. C'est pas un problème. C'est juste voilà que en fait il va jamais se. En fait, moi j'aime pas faire d'ellipses. Parce que les ellipses c'est chiant, c'est pas ouf les ellipses, tu vois, ça casse l'ambiance du jeu, genre t'es là, ouais, bah là je suis en pleine action et tout, et là, bah, ah bah voilà. Allez, monte tes stats là, monte tes stats de malade. T'as pas des stats de ouf, hein, mais on va les augmenter, t'en fais pas. Déjà tu vas prendre 5000 de vie. 5000. 5000 de. Voilà. Bon, bah toi, tu vas nous suivre. Il nous suit là? Ouais, c'est bien. J'avais vu l'Argentavis. Oh, une hyène. Un chien. C'est trop bien. Il a peur, il a peur. Il a peur des animaux comme ça. En vrai, je le comprends. Hein, de ouf. Hein. Tu te fais attaquer par ça, t'es là en mode. Oh, non. Bref, on a perdu l'Argentavis que je devais trouver. Ah ben il est là! Eh le bâtard! Mais non, tu l'as tué, putain! Mais vous faites chier, les gars! J'avais sifflé passif! C'était un niveau 2 de toute façon, frère. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec ça, frère? Je préfère que mes animaux, ils galèrent. Ils galèrent à se faire tabasser par un dino. Pourquoi t'étais pas en passif? Je comprends pas, moi. Et j'ai un sabre-tooth. Viens là. Ah, je peux pas le monter, faut la selle. Eh, hey, tu fais chier, Argentavis de merde. Il y a trop de viande dessus. Viens, viens toi. Ah, toi, t'es à fond, toi. Lui, il est à fond. Il est rempli de prime, frère. Je peux pas faire cuire toute la prime là pour l'instant. J'ai pas le grill industriel. Mais quand je l'aurai, alors déjà, on va siffler. Ne pas bouger tous. On va siffler. On va siffler. On va siffler. Passif. Toi. Passif. T'es en passif, pourquoi tu l'as attaqué, mec? Tu le fais exprès ou quoi? T'es con ou c'est quoi? T'as récupéré des flèches. En plus, t'as mes narcotiques, frère. T'es vraiment fou, toi. Bref. Viens, viens, on va prendre une photo, on va prendre une photo, viens. J'ai peur comment le diriger. Suis-moi, suis-moi, suis-moi seul. Viens, viens. T'as pas entendu ou quoi? Pas bouger seul. Ah merde. Pas bouger tous. Il est où ça? Atterrir. Émote. Me suivent tous. Jamais me faire suivre, me suivent tous. C'est vraiment de la merde. Hein.
C'est la pire façon de... Voilà, atterris maintenant. Atterris. Je veux que t'atterrisses, voilà. Maintenant, on va prendre le Sabertooth. Non, on va prendre. Tu seras la mascotte officielle de cette miniature. La mascotte officielle de cette miniature. Activer la caméra. Mais non, vas-y. Bon, on prend le mode photo. Ils sont pas mignons comme ça. Il y a beaucoup trop de lumière par contre. Ouais, voilà, il y a moins de lumière. On fait cacher HUD. Voilà, la photo elle est prise. On peut quitter ce mode. Et puis maintenant les gars, je vais me mettre là-dessus sur le bateau. Et oui les gars, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que il vous aura plu. Il aura duré 30 minutes parce que j'ai pas cut parce que fallait que je cherche le smilodon, ramener le smilodon. Et voilà, on a un Argentavis. Ça va être cool, très bien parce que mais il me manque la selle. C'est le plus important. Il me faut une selle. Donc je vais faire en sorte de trouver une selle pour cet Argentavis. Et dès qu'on aura cet Argentavis, on pourra aller tamer d'autres Argentavis. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à commenter si l'épisode vous a plu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des épisodes en ce moment. C'est un truc de fou. J'ai fait 26, 23 vues je crois. 23 vues sur l'épisode 5. Sur l'épisode 4. Non 5. 4. 5. Je suis vraiment trop content. J'ai des vues, ça me fait plaisir. Mais j'aimerais bien de l'interaction en fait. On bouge un peu comme ça. J'aimerais bien de l'interaction, ce serait cool. Et bah si vous pouvez pas, si vous pouvez mais juste mettre un commentaire en mode ouais cet épisode était bien. Non cet épisode n'était pas bien parce qu'il y a trop de. Si vous voulez des ellipses, dites-le. Si vous voulez que je fasse cut de ce que je cut des trucs, allez-y, dites-le, je le ferai. Je cherche comme améliorer sur le montage. N'hésitez pas à liker, ça référence la vidéo, et à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Allez, à plus!